Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec ma sœur Marine pour vous faire une petite vidéo qui va se concentrer sur le lycée et les études sup. On va vous donner nos meilleurs conseils. On s'est dit que ça pouvait être super intéressant parce qu'on a des parcours un peu différents et donc des expériences différentes, mais on a souvent des conseils qui se rejoignent et qui vont ensemble. Donc si vous êtes au lycée, études sup ou même en année de césure comme moi, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, n'hésitez pas à liker aussi, à vous abonner, à me dire si vous kiffez les vidéos avec ma sœur. Donnez aussi vos meilleurs tips en commentaire, comme ça on essaiera de les retenir et bah, peut-être même de s'en servir. Et on espère que ça va vous plaire. On va commencer par vous parler vite fait de nos parcours scolaires. Moi j'ai 21 ans, j'ai été au collège, ensuite j'ai été dans un lycée général. À la fin de ma seconde, j'ai décidé de partir en économique et sociale parce que j'aimais pas du tout les sciences et que voilà, ça m'intéressait pas. J'ai fait 2 ans en éco, après on en reparlera peut-être, mais j'ai hésité entre plein de voies et j'ai finalement passé le concours Access et j'ai eu l'ISEG. C'était pas mon plan de base, mais finalement je suis partie à l'ISEG qui est une école de commerce en 5 ans. J'ai fait mes 3 premières années, là je suis en année de césure pour faire des stages et l'an prochain je commence un master en marketing digital et e-commerce en alternance. Voilà. Ok, du coup, moi, du coup, bah, j'ai pareil, collège, lycée général aussi. Moi, j'étais sur la nouvelle réforme, donc j'ai pris spécialité géopolitique, LLCE anglais et maths. J'ai abandonné maths en première, j'ai pris maths complémentaire. Et donc, j'ai fait LLCE géopo en terminale. Et du coup, je suis en première année d'orthophonie. Donc, ce que je voulais aborder en premier, c'est l'orientation, parce que c'est vrai que moi, on m'a pas mal foutu la pression toute ma scolarité du lycée. Je me suis vraiment tout le temps, j'étais stressée parce qu'on nous a beaucoup foutu la pression. Déjà dès la seconde, on avait des heures de vie de classe toutes les semaines et la prof elle nous disait oui vous voulez faire quoi, vous voulez faire quoi, vous voulez faire quoi, et vraiment fallait absolument qu'on lui dise une voix et qu'elle voulait pas qu'on choisisse nos spé sans lui dire ce qu'on allait faire derrière. Donc en fait moi je voulais choisir géopo LSE parce que je savais pas quoi faire et que je m'étais dit bah voilà je vais prendre les spé où je sais que je vais bien aimer et où je vais avoir des bonnes notes, et elle voulait absolument que je dise quelque chose. Donc moi j'ai inventé que j'allais en école de commerce, j'ai dit oui je vais aller en école de commerce alors que c'était pas du tout vrai, là, juste pour qu'elle me laisse tranquille et qu'elle me laisse prendre mes spé. Donc voilà, et au final c'est pas du tout ce que je fais. Et de toute façon, on avait tous noté sur une feuille, ouais, je prends tel spé pour faire tel truc. Et tous mes potes, ils ont pas du tout fait ce qu'ils avaient dit, ce qu'ils allaient faire en seconde. Donc moi, mon premier conseil, c'est vraiment ne vous mettez pas la pression sur l'orientation. Il y a encore 6 mois, je savais pas ce que j'allais faire. En tous les cas, ça sert à rien d'avoir une idée précise de ce que tu vas faire parce que Parcoursup peut en décider autrement. Donc dès que tu te dis voilà j'ai envie de faire ça, tu dis ok j'ai envie, mais à côté j'ai aussi envie de faire ça. Après ça peut être frustrant quand t'as des choix à faire, enfin, moi du coup c'est ce que j'ai vécu parce que comme j'avais eu plusieurs idées dans ma tête, moi je m'étais dit vas-y je vais faire du droit, je vais faire ça et tout. Pareil. Au moins j'ai pas eu de déception en me disant oh là là j'ai pas eu mon truc, enfin je sais que si j'avais pas eu là où je suis en ce moment je serais en droit et... Enfin, ce serait très bien, je pense que j'aurais été très bien aussi. Donc je maintiens ce que tu dis dans le sens où j'ai exactement eu le même truc, dans le sens où j'avais plein de voix différentes et on foutait aussi un peu la pression en mode genre va en S parce que ça ouvre plus de voix et tout. Si t'as une idée genre hyper précise, bah tant mieux en vrai, mais si t'as une idée au moins générale de ce que t'aimes, ça suffit pour savoir quel aspect tu vas choisir. Genre pars pas dans un truc qui t'intéresse pas du tout en te disant ah ça va m'ouvrir plus de voix et tout. Non, si ça t'intéresse pas tu vas juste genre être triste pendant 3 ans, ça sert à rien. Bah moi je sais que là dans ma filière actuelle où je suis, on n'est pas beaucoup de première année, il y a beaucoup de gens qui se sont réorientés, il y a même des gens qui ont vraiment la quarantaine quoi. Enfin voilà, il y a plein de gens qui se réorientent, les métiers c'est pas définitif, hein. Dans le monde dans lequel on vit on travaille longtemps, donc dans tous les cas vous pouvez exercer un métier 15 ans et vous réorienter après. Bon c'est un peu chiant de refaire des études mais enfin, voilà, il n'y a rien de définitif. Et surtout ne prenez pas maths, physique, SVT juste pour pas vous fermer les portes, parce que le nombre de gens que je connais qui ont pris ça juste parce qu'ils voulaient pas se fermer des portes, mais au final ils aimaient pas du tout les matières scientifiques, ils étaient pas forts là-dedans et en fait juste bah ils étaient là, au final maintenant ils font un truc qui n'a rien à voir avec des matières qu'ils ont fait. Donc enfin si vous aimez ces spé, que vous êtes fort dedans, prenez-les. Enfin moi j'ai rien contre les spé scientifiques, vraiment faut pas se couper les voies du littéraire parce que vous dites ça me ferme des portes, ça te ferme des portes, mais c'est bien aussi de se fermer des portes parce que si t'as toutes les portes ouvertes tu sais vraiment plus quoi faire. Ok, on passe sur juste cette partie de la vidéo qui est sponso. Je suis vraiment hyper contente de faire une sponso avec une plateforme comme ça, c'est Ma Voix, je ne sais pas si vous connaissez.
mais c'est un site en ligne qui vous permet de vous aider à trouver soit du travail, soit à savoir un peu, enfin à vous aider dans votre orientation. Donc c'est vraiment le sujet de la vidéo et c'est gratuit. Donc pour moi c'est hyper important de vous présenter ça. J'en avais déjà entendu parler, c'est hyper carré. Vous pouvez avoir des coachings gratuits de 45 minutes sur cette plateforme et c'est vraiment, enfin ça peut vraiment être une aide. Ils proposent aussi des formations et il y a une majorité qui est gratuite. On a un petit argument sur ça avec ma sœur, c'est que quand on était en seconde, on était un peu perdu, mais ma mère nous a dit ce serait bien que vous alliez voir une conseillère d'orientation parce que comme on était forte dans, enfin sans se vanter, mais dans plusieurs voies, c'était compliqué de savoir ce qui nous plaisait vraiment ou ce qui nous influençait juste par rapport aux autres et tout. Et on est allé voir une conseillère d'orientation et c'était vraiment genre pas donné le prix. Mais donc là c'est vraiment un trop trop bon entre deux et si c'était à refaire je pense que j'irais plutôt vers une plateforme comme ça si je savais que ça existait. N'hésitez pas, même si c'est pas pour vous, à faire passer le mot à vos petits frères, petites sœurs et tout. Ça peut être trop trop cool. Et donc voilà. Là, on va passer sur les conseils concrets maintenant que vous êtes détendu, chill et que vous êtes soit au lycée ou en études sup, mais que vous arrêtez de vous prendre la tête avec votre orientation parce que dans tous les cas, la vie est longue et vous aurez le temps de trouver votre voie. Moi, les premiers conseils que je pourrais vous donner, c'est que dès que possible, prenez votre ordi en cours. Moi, c'est vraiment indispensable. Certes, les gens vont dire oui, moi je suis plus papier, etc. Quand vous aurez testé l'ordi, vous allez voir que vraiment vous êtes pas du tout papier. Moi aussi, j'étais en mode ah ouais, j'aime bien un coup sur le nez avec mon petit stabilo, mais en fait, c'est tellement plus rapide. Moi, je sais qu'en terminale, il y avait certains profs qui étaient d'accord. Moi, je faut leur demander. Il n'y a pas tout le monde, mais à la fin de l'année, vraiment, on avait notre ordi dans toutes les matières. Et puis, au pire, le prof te dit non, mais bon, voilà, tu dis oui, je m'entraîne aux études sup, je sais pas quoi. Mm-hmm. Et du coup, aux études sup, oui, vraiment, par contre. Mes anciennes vidéos parce que j'ai l'impression que tu donnes les mêmes conseils mais bah non c'est juste non, c'est des bons conseils c'est du bien. Coup et voilà et moi personnellement je fais mes fiches alors je tape mes cours à l'ordi quand je rentre chez moi enfin pas tous les soirs mais en tout cas voilà je fais en fait j'enlève tout ce qui était pas important je fais mes fiches et tout enfin voilà je fais un truc assez propre et je sais que j'ai une application à vous conseiller qui est bien, elle s'appelle Miro donc M-I-R-O voilà c'est des cartes mentales qui sont hyper bien faites tu peux aussi faire des frises chronologiques c'est gratuit évidemment tu peux faire tout ce que tu veux et ça pour avoir des petits points où tu sais que c'est concret enfin il y a un vrai truc ça c'est trop bien pour compléter ça c'est clair que moi pareil fin de terminale surtout que j'étais pas hyper organisée dans mes fiches et tout en papier j'ai pris mon ordinateur trop bien ça m'a changé la vie je connais très peu de personnes qui finalement restent sur du papier à part Noémie MDR mais sinon la plupart des gens utilisent des ordi et ce que je peux vous conseiller vraiment c'est d'utiliser Notion, j'en parle hyper souvent. Vous pouvez importer des templates et ce qui est super cool c'est que c'est en ligne. Donc si vous perdez votre ordinateur, vous perdez pas toutes vos fiches et en plus c'est stocké sur le web, sur le net. Ça permet de pas utiliser toute la mémoire de votre ordinateur. Vous pouvez aussi l'utiliser sur votre téléphone et c'est un bon compromis entre l'esthétisme des fiches que vous pouvez faire à la main et un ordi parce que vous pouvez importer des templates, vous pouvez vraiment genre mettre des calendriers, enfin mettre plein de choses. Après c'est clair que c'est un peu compliqué d'entrer ça dans son quotidien, surtout quand t'es au lycée. Mais dites-vous que vous gagnez du temps sur les études sup, donc n'hésitez pas à demander à vos profs parce que ça peut être un gain de temps, d'énergie. Ok, on a un conseil qui nous a servi à toutes les deux, ça nous a valu beaucoup de bonnes notes et ça vraiment c'est indispensable, toujours s'adapter aux profs. Premier contrôle de l'année, tu fais ce que t'as l'habitude de faire et tout, tu regardes ta copie, tu vois ce que le prof il aime, tu vois ce que le prof il aime pas. Tout de suite, dès le deuxième contrôle, tu mets tout ce que le prof il aime, tout ce que le prof il aime, tu mets les mêmes mots, les mêmes trucs, tu mets les mêmes formulations, enfin voilà, tu t'adaptes aux profs et je vous jure que les gens qui ne s'adaptent pas aux profs, c'est toujours eux qui ont des was notes. Je sais que moi j'avais un prof l'année dernière, il n'aimait pas qu'on apprenne par cœur, il voulait qu'on ajoute des connaissances du cours en dehors, donc c'était en histoire géo. Et voilà, moi à chaque fois j'apprenais même pas ces cours en fait, je mettais juste des trucs, des connaissances en dehors, je brodais un peu et tout ça. Et j'avais souvent des bonnes notes, et j'avais des amies, elles apprenaient tout par cœur, et en fait il aimait pas, donc c'était pas son. Alors qu'il y a des profs style, qui fait que vous aimiez par cœur. Bah, mon prof de géopo, voilà, c'était beaucoup de par cœur, etc. Et bah, moi je faisais ce qu'il demande, s'il demande d'apprendre par cœur, bah j'apprends par cœur. Voilà, c'est un peu un réflexe de débile en soi, mais si votre prof il vous a demandé de faire ça, vous suivez le prof, après les notes, ce qui apparaît sur le bulletin sur Parcoursup, c'est tes notes avec le prof, le bac il sert à rien. Donc vraiment adapte-toi au prof, même si t'aimes pas sa méthode, même si t'aimes pas comment il agit et tout, tu t'adaptes, tu vois ce qu'il aime, et faut pas être buté dans ton idée à dire ok je fais comme ça, je fais comme ça. Après juste faut aussi avoir, je mets un petit point quand même, un petit, quand même avoir un minimum de sens critique dans le sens où il y a des profs, enfin moi j'ai eu des très mauvais profs à des moments, genre j'ai pris ce qu'il y avait à prendre de ce qu'il me disait et j'ai mis aussi de côté, mais c'est clair que je pense qu'il faut faire un mix, mais faut pas prendre, enfin faut pas perdre du temps parce que vraiment le lycée et c'est pareil les études sup, en vrai genre ça va être la même chose, que ce soit lycée ou études sup, vous avez plein de trucs à faire, genre vous avez grave du temps, enfin vous avez pas beaucoup de temps, vous avez beaucoup de travail et donc ça sert à rien que vous preniez la tête à genre être en conflit avec le prof toute l'année, enfin en conflit, mais à essayer
essayer de perdre du temps à genre essayer de faire le contraire de ce qu'il dit pour lui prouver que vous faites quand même des trucs bien, parce que un prof, enfin les profs sont souvent butés, et en études sup en vrai, même si on se dit que vous allez être plus autonome et tout, le fond reste le même parce que c'est quand même des profs qui vous corrigent, même si c'est pas s'adapter aux profs, c'est s'adapter à l'école. Genre moi je sais que je fais pas du tout la même chose dans mes copies maintenant que je faisais au lycée, même si je préférais ce que je faisais au lycée, bah juste mon école attend pas ça, donc voilà, je m'adapte. Moi ouais, je vais vous donner l'appli, vraiment là au-dessus de tout. Je l'utilise tout le temps en ce moment. C'est Canva. Canva. Moi je dis Canva. Moi je sais plus Canva, c'est même je disais avant. Bon bref, et du coup c'est pour faire les exposés, pour faire les fiches de révision, tes fiches de révision, pour faire pareil des timelines, des mind maps et tout. C'est incroyable. Et c'est vrai qu'en fait ça fait tout le temps l'effet. Moi dès que je fais un exposé sur Canva, alors que j'ai rien fait, hein, tout est déjà préparé et t'as juste à noter tous tes trucs. Et à chaque fois les gens me disent ah il était trop beau le diapo, alors que moi j'ai rien fait. Donc ça fait toujours son effet. Bah moi j'ai vu la différence parce que quand je suis arrivée en études sup, les gens connaissaient pas forcément encore Canva de ouf. Donc tout le monde utilisait PowerPoint. Je promets que maintenant tout le monde utilise Canva. Ouais. Vraiment, après genre prenez pas tout le temps les mêmes templates et tout. Enfin je veux dire. Non, faire des templates tu modifies, voilà, ouais, tu changes. Et petit tips de rat. Quand vous êtes en association à but non lucratif, vous pouvez avoir un Canva Pro gratuit. Il faut envoyer les statuts de l'association. C'est trop trop bien. Donc si vous êtes en asso, bah en école, vous pouvez. Mais si vous êtes aussi en asso autre part, genre en mode asso humanitaire ou voilà, vous pouvez avoir un compte Canva. Vous pouvez donc bosser avec vos potes, avoir accès à tous les templates. Et même la version gratuite est très cool. Franchement, moi je fais tout sur Canva. Je vous ai déjà fait des fiches que j'avais mis pour mes abonnés et tout sur Canva. Je fais toutes mes presses sur Canva. Je fais mes to-do sur Canva, mes plannings sur Canva, je vis au Canva. Oui, et surtout les stories, je veux même faire de la création de contenu, des montages aussi sur Canva. Et ce que je voulais dire surtout, c'est que c'est trop bien parce que t'envoies le lien à tes potes, tu leur donnes accès au Canva, ils peuvent tout ajouter, ils peuvent tout modifier. Et en fait, bah, après, t'as une team Canva et tous tes potes ils peuvent aller sur tes. Bon, enfin, sur les diapos, si vous travaillez en groupe, c'est trop bien. C'est comme Google Docs, t'as pas juste à te renvoyer le PowerPoint à chaque fois, tu fais tout en direct, t'envoies le Canva et tout le monde se débrouille pour faire le truc. J'ai vraiment converti tous mes potes à ça. Ah oui, non, mais c'est trop bien. Au lycée surtout, parce que c'est un truc qu'on fait pas trop en études sup je trouve, c'est de ne pas se concentrer que sur le travail. Il faut trouver un équilibre. C'est vrai que en fait c'est des erreurs que j'ai faites, je pense que tu les as faites aussi. Moi je me suis beaucoup renfermée sur moi en première parce que je me disais le travail, le travail, le travail. Moi je le fais en études sup, hein. Ça marche okay. Pour les études sup. Bah il y avait aussi le Covid moi, mais ouais. C'est aussi pour ça, mais je me suis beaucoup renfermée sur moi, je faisais rien le week-end, je faisais que travailler. Et en fait c'est pas bénéfique pour toi parce que dans tous les cas, ouais, c'est pas sain et tu vas jamais passer la journée à travailler, tu vas forcément être un peu sur ton tel et tout. Donc en fait il faut juste trouver une organisation et trouver un équilibre entre ta vie sociale et le lycée quoi. J'avais beaucoup de travail l'année dernière et j'arrivais à faire babysitting, soirée, vie sociale, enfin voir mes potes, etc. Le week-end, j'organisais juste mon week-end comme il fallait alors que j'avais quand même un grand peloton, j'avais cours le samedi matin. Généralement, je faisais un truc le samedi après, mais puis, même si je rentrais à 18h, 18h, 20, 21h, je travaillais. Enfin voilà, il faut trouver un équilibre, c'est indispensable. À la limite, dites jamais non aux choses. Si vous avez une soirée d'un ami ou quoi, quelqu'un de proche ou un anniversaire, c'est un truc qui compte pour vous en voilà. Fait. Voilà, forcément pas sortir non plus. Non, non, non. Après, vous allez culpabiliser, mais juste l'équilibre, vraiment, c'est le mot d'ordre de toute votre vie et de toutes vos études. Et ouais, négligez pas genre les choses importantes voilà, de vous parce que bah déjà vous serez triste après et puis ça va, enfin en fait si vous culpabilisez en travaillant parce que vous savez que vous avez manqué un truc important ou quoi, ça va pas être productif. C'est pas ça la vie, ouais. C'est pas que faire que travailler, il faut enfin voilà faire des choses. Et c'est vrai que à la limite vous trouvez un équilibre. Voilà, moi je sais que je suis déjà allée à des soirées, je me suis dit je rentre tard, je bois pas, et au moins le lendemain je pouvais travailler totalement. Enfin voilà, faut juste trouver un équilibre. Forcément si vous bourrez la gueule la veille et qu'en plus vous vous couchez à 5h du mat, oui vous allez pas travailler de la journée, ce sera une journée de gâchée. Donc faites pas ça, mais trouvez un équilibre pour vraiment passer un bon moment et en même temps pouvoir travailler le lendemain. C'est l'équilibre que t'acquiers, que ce soit au lycée ou en études sup, c'est un truc que tu vas garder toute ta vie et c'est la base de la vie. Genre vraiment honnêtement, depuis que je suis beaucoup moins stressée et que j'arrive à trouver un équilibre à m'organiser, bah mes relations elles sont beaucoup plus saines et ma relation au taf est plus saine aussi. On a un dernier conseil unanime, peut-être que là vous aurez l'impression que on n'a pas tout dit et tout, mais franchement ça sert à rien de donner 10 000 conseils, de vous éparpiller et tout, alors qu'en vrai la clé de tout est ici, c'est de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Franchement, même encore aujourd'hui je le vois, je suis pas productive et je suis pas genre, on va dire, compétente dans les trucs où je ne prends pas du plaisir. Je vois tellement, enfin moi je suis une personne qui est passionnée, si j'aime pas ce que je fais, genre si je suis pas contente d'être là, si je suis pas contente de prendre du plaisir de travailler et tout, ça va pas être genre productif et surtout ça va pas être du contenu de qualité. Alors que si vous aimez ce que vous faites, moi personnellement en terminale j'ai vraiment pris du plaisir genre à apprendre des trucs en histoire, j'allais plus loin à chaque fois, que ce soit en SES, enfin le bac, vraiment j'ai aimé
aimé cette période. Je vous mettrai mon vlog du bac. J'ai adoré parce que j'étais trop heureuse de découvrir des nouvelles choses, de faire des trucs. Alors que je sais que si j'étais allée en S par exemple, ça ne m'aurait pas intéressé du tout. Donc j'aurais juste vu un truc négatif. Alors que si vous aimez, en fait, le travail que vous faites, vous n'allez pas le prendre de manière à ce que ce soit une corvée. Sur le coup, ça va peut-être vous faire chier, mais sur le long terme, vous serez en mode putain, j'aime travailler. Finalement, j'aime bien genre. C'est dur de s'y mettre, mais une fois que tu y es, tu kiffes. C'est d'où l'importance de choisir des spécialités qui vous que vous aimez en fait, parce que sinon vous serez pas du tout bon dedans. Moi je me suis vraiment découvert des passions là, je suis nostalgique du lycée au niveau du travail. Vraiment c'est des trucs que j'ai adoré faire, où je me suis passionnée sur le sujet. Et voilà, c'est comme ça que ça m'a permis d'avoir des bonnes notes, parce qu'en fait juste ça m'intéressait, j'y mettais du mien, j'étais vraiment vraiment engagée dans la matière. C'est comme ça, voilà, posez des questions, intéressez-vous aux cours, écoutez, cherchez, faites des recherches à côté quand vous travaillez, voilà, voyez le bon côté. Et vraiment moi c'est vraiment une période que j'ai adorée, la terminale en histoire, en géopo, en LSE, etc. Je me suis vraiment amusée. Vraiment, même les maths, j'aimais bien me poser le soir, faire mes petits exos. Quand j'y arrive, c'est super satisfaisant. Enfin voilà, vous choisissez des trucs qui vous plaisent, qui vous correspondent. C'est comme ça que vous y arriverez, parce que vraiment, si vous choisissez une matière scientifique que vous aimez pas, mais ça vaut aussi pour des matières littéraires en fait. Si vous forcez à faire des matières que vous n'aimez pas, en fait, ça va juste pas vous plaire. Si vous partez au lycée dans un truc que vous aimez pas, après en études sup, vous allez faire pareil. Après, dans votre vie de métier, vous allez faire pareil. Et en vrai, c'est pas genre le bonheur, c'est pas ça. C'est de vraiment trouver des trucs. Et toutes les clés qu'on donne sur YouTube, sur machin, les trucs techniques, les machins, ça s'applique que si derrière tu aimes ce que tu fais et t'es passionné par ce que tu fais. Rien n'est acté. Enfin, je veux dire, on est jeune. Si t'aimes pas ce que tu fais, après, je pense qu'il faut quand même genre s'investir, tu vois, par pas de tes études au bout de un mois, tu vois. Mais si tu sais ce que tu veux faire et si t'es vraiment intéressé par quelque chose et que tu sens que t'es pas au bon endroit, tu peux genre te réorienter, tu peux faire d'autres trucs, et la vie n'est pas tracée. Enfin moi j'ai 21 ans, en vrai je suis plus vieille que toi, j'ai des potes qui sont en train de se réorienter, qui font finalement pas du tout ce qu'ils voulaient. Moi surtout je suis plutôt dans je suis entourée de gens qui sont très créatifs, et la plupart des gens autour de moi, j'en ai beaucoup dans le son ou la musique ou des trucs comme ça, et bien aucun n'a fait les mêmes études. Enfin genre mes potes, la passion commune, ils veulent faire pourquoi pas de la musique leur métier, et pourtant ils n'ont pas fait les mêmes études. Donc si vous avez des rêves dans votre vie, des trucs comme ça, juste donnez-en vous les moyens. Et voilà, tout ira bien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné un petit boost de motivation en ce mois d'octobre où voilà, c'est un peu le moment compliqué pour... genre il commence à faire froid et tout, vous allez être un peu déprimé. Juste dites-vous, vous en sortirez, et si ça va vraiment pas, n'hésitez pas à en parler en commentaire. On pourrait faire une vidéo ciblée sur Parcoursup, on en a pas beaucoup parlé. Et je pense qu'on fera une vidéo ciblée sur Parcoursup dans l'année. Ouais. Moi j'en ai parlé il y a quelques années, mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir un avis de ma sœur. Et avec la nouvelle réforme. Sur ça, avec les réformes et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je vous fais des gros bisous, abonnez-vous à mon Insta, mon TikTok, et bye la mif.